pause. Rendez-vous, on s'est chauffé à venir à la salle, sauf que on n'a pas fait grand-chose. C'était vraiment du tourisme et j'avais surtout envie d'un petit milkshake protéine. Tout le monde, bon, ça y est, on est rentré à la maison. Je suis sur le balcon et regarde. Mon nom, mais t'es trop belle, toi. T'es vraiment trop belle. Comme vous pouvez le voir, elle a été prendre le bain. Quand il y a l'eau autour, c'est qu'elle a été prendre son petit bain. Elle aime trop. C'est abusé. Ouh, gros plan, on aime beaucoup. Du coup, là, on est rentré. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis mis en jogging, la base, quand je suis à la maison. Et je voulais en profiter pour vous donner un petit bon plan qui concerne les personnes qui souhaitent bénéficier d'une formation. Écoutez, je vous explique tout. Formation Fast Social est agréée et prise en charge par l'État français. Donc, en gros, vous avez la possibilité de bénéficier d'une formation qui est prise en charge en totalité par l'État français, donc ça c'est cool, et c'est une formation qui concerne le domaine des réseaux sociaux. Donc si vous souhaitez devenir par exemple community manager, créer votre site internet, influenceur ou travailler dans les réseaux, tout simplement tout ce qui est marketing, etc., vous pouvez vous faire former. Pour ça c'est simple, pour être éligible il vous suffit de remplir deux conditions. La première c'est d'être résident français ou dom-tom, la deuxième c'est d'avoir travaillé pendant au moins 2 ans donc en France ou dom-tom, et si c'est votre cas vous en bénéficiez. Voilà. C'est très simple, je vous mets le lien en swipe up, il vous suffit de le remplir. Voilà, vous remplissez vos informations personnelles et Alexis le formateur s'occupera de vous recontacter si vous remplissez les conditions que je vous ai données juste avant. Donc c'est cool parce que du coup s'il y a des personnes d'entre vous qui souhaitent changer de métier ou se spécialiser ou tout simplement se lancer dans le domaine des réseaux sociaux, vous pouvez être formé, c'est le top. En ce moment, je mixe un petit peu les croquettes de Maya avec les petits festins terrines de chez Jaffy. Donc là, je lui ai fait un petit mélange. Non, mais regardez la taille de la gamelle, je vous explique. Regardez ma main à côté. C'est des gamelles pour les éléphants. Et du coup, je lui ai fait un petit mix parce qu'elle a trop kiffé les petites terrines de chez Jaffy. Du coup, je mélange avec ses croquettes également. Je viens te poser ton truc énorme. Allez, tu peux te régaler. Oh là 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 là, que c'est bon. Oh là là. Vous le savez, Maya, je lui donne uniquement les croquettes de chez Jaffy. C'est des croquettes qui sont personnalisées en fonction de votre type de chien ou de chat, puisqu'ils font également les croquettes pour chats. Et nous, c'est vrai qu'ici à Dubaï, quand on a eu Maya, déjà de base, il n'y a pas énormément de choses pour les animaux. C'est très léger, il y a des pet shops, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de choix et du coup j'étais rassurée de prendre un peu une marque française qui fait les croquettes vraiment en fonction de son âge, de son poids, de sa taille, de sa race, de son activité. En gros des croquettes sur mesure et franchement elle se régale, elle grandit trop bien, elle est trop belle, elle est en bonne santé, elle a du peps, elle s'arrête jamais. Enfin franchement c'est un chien mais trop bien dans sa peau. Donc je pense que les croquettes Jaffy font pour beaucoup puisqu'on lui donne uniquement ces croquettes-là depuis qu'on l'a. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient, je pense que vous le savez, puisqu'à chaque fois je vous les recommande, elles sont vraiment trop bien et surtout elles correspondent aux besoins de votre animal et ça c'est hyper important. C'est très simple, sur le site de jaffy.fr, vous allez sur personnaliser votre menu et là vous répondez au petit questionnaire pour donner les informations concernant votre animal de compagnie. Si c'est un chien, si c'est un chat, son activité physique, si elle a des allergies, etc. Et ensuite, la petite composition du menu de votre animal vous est proposée. Donc, vous voyez, il y a différents types. Là, c'est poulet et petits légumes. Donc, moi, c'est ce que je lui prends généralement parce que je sais qu'elle aime ça. Mais vous avez aussi des options au poisson. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est hyper bien noté. C'est vraiment une très bonne marque de croquettes et de petites friandises pour vos animaux. Vous avez plein de choses dessus et surtout, vous les recevez à la maison.